des grandes passions de Mathilde Meyer, c'est l'équitation. Pendant son temps libre, c'est aussi le monde de la beauté qui l'anime. Et cette année, elle s'y lance complètement en participant à l'élection de Miss Lorraine 2021. C'était un challenge pour moi au départ. C'était vraiment de l'expérience à acquérir et surtout, je me suis dit que porter une écharpe de Miss, c'est avant tout représenter sa région et j'en serais très fière parce que c'est une région remplie d'histoire. En portant l'écharpe, la jeune femme de 21 ans souhaite donner de la voix à ceux qui en ont besoin en se mobilisant contre le harcèlement scolaire. Un combat qui fait écho à ses études, elle entre en troisième année de licence en sciences de l'éducation. En fait, récemment, je me suis inscrite dans une association qui lutte contre le harcèlement scolaire, donc une association qui s'appelle Hugo. Et je trouve que c'est intéressant, surtout qu'on est jeune et qu'on en a peut-être vécu ou qu'on le voit régulièrement. C'est un premier concours de beauté pour Mathilde. Il y a quelques années, elle a eu l'opportunité d'assister à l'élection de Miss France 2019, une soirée mémorable. J'adorais. C'était vraiment une bonne ambiance, même voir les candidates qui étaient toutes magnifiques les unes plus que les autres. C'est vraiment un moment génial. Donc du coup, et en plus j'avais toujours eu cette idée en tête de vouloir me présenter. Je me suis dit pourquoi pas. En attendant le grand jour, la jeune femme se prépare à passer sur scène devant un public. Je le prends plutôt à la cool. Enfin, en fait, je m'entraîne beaucoup, donc j'essaye de défiler un maximum, de faire les pauses qu'il faut, de m'entraîner à mon discours, mais j'essaye de rester moi-même tout le long de l'aventure et d'essayer de donner le meilleur de moi-même pour s'amuser avant tout. Mathilde Meyer est la candidate numéro 11. Si elle est élue le 9 octobre à Charmes dans les Vosges, elle participera ensuite à l'élection de Miss France 2022 qui se tiendra à Cannes au mois de décembre.